Yo mon gars, dans Puissance 50, aujourd'hui on va faire un unboxing sur un humidificateur. Donc en fait, c'est ce qui va nous permettre de refroidir une pièce, donc en chaud ou en froid avec de l'eau. J'en avais récupéré un déjà par le passé, c'était un Clarsten, mais je le déconseille parce que en fait il avait chopé du calcaire, c'était pas bon. Et en fait à la fin il était plus autant efficace que ce que je le pensais. Voilà. Donc c'est parti, on va lancer la. On va lancer Ouais, donc un carton dans un carton, on aime ça, on aime ça. Bon, après, la matière de sécurité, d'entretien, parce que quand il y a de l'eau, forcément, il y a du calcaire. C'est bon. Hein, ça y est, je viens de comprendre, le réservoir, c'est ça en fait. Donc on a un minuteur. On a un mode Z silencieux. Donc on va choisir la température, 50, 60. 70, 80, ça m'a l'air pas mal, hein. C'est pas mal le tactile. Hein. Ah ok, fraîcheur, chaleur. Quarante-cinq, cinquante, soixante. Ah d'accord, on peut aller jusqu'à 90. C'est pas mal ça. 27 degrés. On va éteindre la lumière. 10% de refroidissement. Là, on a directement la visibilité du réservoir. Donc, c'est pas mal. 6 litres de capacité. Donc, là, il fait 27 degrés. Ça continue. L'humidificateur d'air est ici. Franchement, c'est frais. C'est frais, c'est frais, c'est refait. Ah ouais, c'est frais, c'est frais, c'est refait. Pas mal du tout, franchement je suis, pour l'instant ça va. Bon, après on attend de voir d'ici combien de temps. Bon, après j'attends de voir d'ici combien de temps la pièce sera bien refroidie, parce que pour l'instant ça nous indique 27 degrés. Je pense que quand même, parce que par rapport à sa petite taille, hein, il fait. Mais c'est ça qui est bien, c'est que dans cette pièce-là, si tu veux l'humidificateur d'air, tu le mets dans un coin d'angle, ça prend pas de place, ça prend pas de place. Il est esthétique parce qu'il est noir, il est discret, il est black, donc c'est bien parce que c'est noir, c'est black. Et il fait le taf parce que franchement ça te rafraîchit bien. 27 degrés, ça te rafraîchit bien, sachant que là, il a 62% du taf. Donc, assez curieux de voir quand il sera à 90%. Je pense qu'il va monter à 90, hein, tôt ou tard. Et là, il va faire son effet à 90%, quoi. Donc franchement, ça va être pas mal. Et j'imagine qu'à 90%, la pièce sera rapidement plus fraîche que ce qu'elle est actuellement. Donc voilà, c'était mon petit unboxing de mon petit humidificateur d'air. Moi, j'ai plus qu'à manger tout ça. Et puis, je vous